jacket. Bonjour. Good morning. Hello, hello. Bonjour, bonjour tout le monde. Bon samedi. Il y a un soleil fou en région parisienne. C'est l'été, je vous jure. Je vous jure que c'est l'été. Nous allons écouter du Richard Bonnat. Voilà. C'est dit. Nous allons écouter. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Vous me cherchez depuis le matin. C'est le week-end, je vous ai dit. Ah, pardon. Facebook, c'est bien, mais le week-end, il faut s'occuper de sa famille. Hein? Voilà. Non, je me mets un peu de petit chiquet. Petit chiquet, là. Mon petit chiquet, là, je l'aime beaucoup. Connectez-vous et partagez. Chiquet. Ok, mais papa, maman. Vous allez bien? Bon samedi. Bonjour, bonjour. Envoyez les copains. La page est signalée. Juste. Oui, pas besoin d'en dire plus. La page est signalée. Je vous fais goûter du chicken et faites un tour de partage. Bon, moi, je partage d'abord. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Je vais d'abord faire le partage. Vous allez bien, j'espère. Bon samedi, une belle journée. Profitez en famille. Hein, les filles. C'est samedi aujourd'hui, hein. Au lieu de faire le Congo ça sur Facebook, faites le ménage. Voilà, vous mettez mon direct à fond comme ça, là. Mais vous nettoyez votre cuisine. C'est important. Parce que la saleté, c'est pas bien. Les Camerounaises sont des femmes propres. C'est vrai que ces dernières années, nous avons vu du sale sur les réseaux sociaux. Mais la Camerounaise est une femme propre. Voilà. Nous avons vu du sale sur les réseaux sociaux. Donc, partagez, partagez. Voilà, nous allons discuter. Et puis, nous allons peut-être cuisiner ensemble. Voilà. À de suite. À de suite. Normalement, je devais faire ce direct sur ma page cuisine parce que je veux... La Camerounaise est une femme... Je vais faire une petite recette. Mais bon. On y va. Nous allons faire des haricots verts aujourd'hui et du filet de pain. Voilà, parce que mon chéri ne mange pas le poisson avec les arêtes.
songs on piano in one voilà. hour. No way. All you need to learn is four chords. On ne lâche rien. One, two, three. Bipez-moi les dépenses. Bipez la main. Bon, je pense que elle et sa famille dorment sur ma page. Donc ceci va être un message. Je ne vois pas vos, je ne vois pas vos cœurs. Pompez au moins les cœurs, non, maman. Moi, je ne vous demande rien. Les autres, quand vous vous connectez là-bas, c'est envoyer les étoiles et tout. Hein? Moi, je ne vous demande rien. Juste les cœurs, pomper juste les cœurs. Parce que là, cette page est massivement signalée. Hein? Elle est signalée. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous signalez ma page. Excusez-moi. Une petite page comme ça que vous avez à, vous m'avez à fermer, faire fermer au moins 10 pages. Celle-ci n'a que 2400 abonnés, mais elle vous fait peur. Vous avez les valseros là-bas, les autres qui font du sale, qui font vraiment des trucs, ils ont les 40 000, les 50 000, les 100 000 personnes abonnées sur leur page. Vous ne signalez pas. C'est seulement ma petite page, c'est qu'avec 2 000 abonnés que vous signalez. Je ne comprends pas. Pourquoi vous faites peur? Vous avez peur de moi? Ça veut dire que tout ce que je dis sur ma page est vrai. Donc... Attendez, je vais d'abord voir si mon chéri veut quelque chose parce que quand je vais lancer, lancer, c'est lancer. Partagez massivement, j'arrive. Et sa famille, parce que en général, lorsque vous avez une sorcière qui passe son temps à détruire la vie des gens, normalement dans sa famille, un membre de sa famille lui aurait déjà dit que arrête, tu as assez fait. Mais les grandes sœurs de Lady Ponce et toute sa famille l'encouragent. Nous on comprend que depuis que vous êtes enfant, toi par exemple Judith, ce n'est pas qu'on a dit. Lady Ponce est partie dans une chaîne de télévision au Cameroun. Dit que quand elle se fâchait, quand vous étiez enfant, elle enterrait les poupées. Donc elle enterrait déjà les poupées. Nous savons que les tueurs en série, ici dans le monde, vous qui suivez les émissions, Enquête Impossible et autres, quand on vous met que tueur en série, on vous dit que celui-là a déjà tué 100 personnes, 200 personnes, 50 personnes, 15 personnes, 20 personnes. C'est une personne que depuis l'enfance, enterre les chats, tue les chats, tue les oiseaux. Donc la personne est machiavélique depuis le bas âge. Lady Ponce, son nom Ponce Pilate, c'est parce qu'elle trahissait déjà ses frères, elle faisait déjà les mauvaises choses quand ils étaient enfants. Et elle a dit que quand elle était enfant, dès qu'elle se fâchait avec sa soeur, elle rentrait dans une colère. C'est-à-dire, une colère qui n'avait pas de nom, elle prenait les poupées. Nous-mêmes, nous savons que pour les familles comme sa famille, là, les parents n'avaient pas grand-chose, donc ils étaient pauvres. Là-bas, à Colonna. Donc, prendre la poupée qu'on a offerte à une enfant pendant les vacances de Noël, tu en t'es. Et elle disait les poupées vivantes. Donc dans sa tête, parce que c'est le vivant, le mot vivant, la poupée vivante là, c'est le mot vivant qu'on analyse dans le monde spirituel. Donc déjà pour elle, dès le bas âge,
quand elle prenait la poupée de sa sœur, la poupée était un être humain qu'elle enterrait. C'est pour ça qu'elle précise qu'elle enterrait les poupées vivantes. Ne négligez pas ce côté. Lady Ponce est la seule artiste camerounaise que nous avons vue depuis des années que nous sommes. Scandale sur scandale. Elle a été accusée de trafic d'organes humains. Hein? On les voit arrêter quelque part avec des ossements humains et tout et tout. Voilà, des enfants, quelque chose comme ça. C'est passé dans les journaux, mais toujours est-il que ça a été ouvert parce qu'elle travaillait déjà avec certaines personnes, autres personnalités. Lady Ponce est la seule que nous avons vu les scandales pas possibles avec les hommes. Lady Ponce est la seule que nous avons vu les scandales avec ses copines de la musique. Lady Ponce est la seule que toute personne qui est passée à côté d'elle, après, c'est les clashs, c'est les problèmes. Pour les exemples que moi je connais, je vais compter Stella, je compte son mari, je compte moi. Pourquoi est-ce que Coco Argentin n'a jamais vu quelqu'un venir sur les réseaux sociaux dire que Coco Argentin a fait ci? Pourquoi on n'a jamais vu quelqu'un venir sur les réseaux sociaux dire que Kales Photo a fait ci? Pourquoi on n'a jamais vu quelqu'un proche de Charlotte Dipanda venir sur les réseaux sociaux dire que Charlotte Dipanda a fait ci? Pourquoi c'est toujours et seulement Lady Ponce? Posez-vous des questions. Elle est talentueuse, oui. Mais nous sommes tous des êtres humains. Quand une personne est diabolique, vous attendez que Lady Ponce tue quelqu'un, elle égorge quelqu'un comme ça, elle décapite devant vous pour lui dire que non, tu es criminel. Hein? Vous pensez que les gens peuvent se lever comme ça, qu'une fille comme moi, 50 ans, une fille qui a tout eu dans sa vie, qui a tout fait, une fille qui a une étoile insolente, une fille qui a ça. Moi, je vais venir sur les réseaux sociaux raconter n'importe quoi sur cette fille. Vous savez ce que j'ai perdu dans ma vie? Vous savez ce que j'ai fait dans ma vie? Si je viens, c'est parce que c'est le Seigneur qui me guide. Mes affaires sont parties à martyr. Et la mission que je fais, c'est le Seigneur qui est derrière moi. Donc, parce que si elle pouvait, elle m'aurait déjà tué. Elle m'aurait fait assassiner pour faire porter le chapeau à d'autres personnes. Parce que elle ne marche pas seule. Elle marche toujours avec les gens qui font du sale boulot pour elle. Et elle est là comme si de rien n'était. Elle vient en faux profil opérer comme vous voyez là. Depuis des années, nous avons vu des faux profils opérés sur les réseaux sociaux, sur les carrières de tous les musiciens du Bikuti. Le Bikuti camerounais est mort. On a cassé 10 les vérités. Donc, bipez-moi la famille est calme. Depuis que Lady Ponce est entrée dans le Bikuti, nous avons des choses bizarres. Maman Kati, elle est ce qu'elle est. Je ne dis pas qu'elle est naïve. Elle est ce qu'elle est, mais nous avons vu Maman Kati. Richard Amgou a commencé à danser avec Maman Kati. Et nous voyons Richard Amgou aujourd'hui. Lady Ponce, c'est danseur mort, c'est danseur dans zéro. Je ne dis pas que Maman Kati est 100% et 100% bien. Mais Maman Kati n'est pas mauvaise comme Lady Ponce. Lady Ponce a pris une photo de Coco Argenté, elle va publier ça. Elle a mis une croix sur le front de Coco Argenté. En 2020, quand on clashait Coco Argenté là. La photo que vous avez vue qu'on mettait que RIP Coco Argenté, qu'on avait mis la croix qu'on met sur les visages des morts, là, des cadavres. C'est le travail de Lady Ponce. Le travail que vous avez vu qu'on a saboté Charlotte Dipanda en disant qu'elle était lesbienne avec sa cousine. C'est Lady Ponce. Je vous jure que voici le soleil devant moi. Si elle manque de femme. Mais sinon que Dieu frappe Lady Ponce. Et ce qui est sûr, il va te frapper. Oui. La famille a ici, Océane Kamel, le profil Océane Kamel, là, c'est Lady Ponce. Elle a le faux profil comme elle a Anno Belinga. Vous allez voir, des fois, Anno Belinga parle bien français. Des fois, il n'écrit pas bien français. Des fois, il vient seulement traduire les mebis et tout, en néondo, les querelles en néondo, parce que c'est une analphabète notoire. Donc, c'est ça que elle sait. On a beau bananda, on a beau fougmebi, on a beau bonnet. Donc, elle écrit les mêmes choses et tout. Elle est à fond dans son délire. Voilà une femme que j'ai cuisinée pour ses enfants pendant un an et demi. J'ai organisé des fêtes pour elle. Pour ses amis, au moins 200 amis. Je lui ai offert cet anniversaire-là. Elle vient en public. Déjà, regardez. En 2021, quand je commence à réclamer mes affaires, elle prend Jojo le Parisien qui est un grand frère
de nous toutes là, dans la nuit du monde événementiel dans Paris depuis des années. Jojo, que je considère comme un grand frère, elle pousse Jojo à venir sur les réseaux sociaux dire que lui l'a couché avec moi. Un mensonge. Donc, elle a mis la vie de Jojo. Même bonjour, elle n'est dit plus à Jojo. Mon frère Jojo s'est excusé, m'a demandé pardon, mon grand frère. Je lui pardonne, mais je ne peux plus jamais le laisser m'approcher. Bah oui. Parce que moi, je ne peux pas accepter d'aller en public faire un témoignage aussi sale contre quelqu'un qui m'a donné à manger ou bien quelqu'un que j'ai considéré comme une petite soeur ou un petit frère. Après, elle a raconté toujours dans les dires, là, les délires avec ses copines que moi, j'avais couché avec son fils. Ok? Voilà. Maintenant, la semaine dernière, elle vient vous dire que moi, j'avais fait les attouchements sexuels à sa fille. Non, avant même ça, son homme de main qui est à Yaoundé, petit américain qui ne me connaît pas, qui ne m'a jamais vu de sa vie, vient dire que lui, il aurait couché avec moi quand j'étais au Cameroun il y a quelques années. Quand on lui demande en quelle année j'étais au Cameroun, il est incapable de dire qu'à fond, c'est quand j'étais au Cameroun. Donc, c'est comme ça que depuis des années, Lady Ponce travaille sur les vies des gens, sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que Ngongo lui a fait confiance de venir en public. Dit quand Moubeding a arraché la langue de Martinez Zoro, que ça s'est passé à l'immeuble des camps. On a enfoncé les barres de fer dans le cul de Martinez Zoro. On a découpé, on a arraché les cheveux. Ok, on peut faire un crime comme ça. Ok, machin, ok, tout que des scénarios machiavéliques. Les y pensent. Maintenant, depuis hier, dit que moi, il fait manger les caca à mes clients, aux gens. Mais ça veut dire que si elle fait manger les caca dans mes plats de nourriture, ça veut dire que pendant un an et demi, tes enfants ont mangé mes caca. Elle s'en fout, hein. Son problème, c'est qu'il faut seulement qu'elle dise aux gens qu'il y a les caca dans ma nourriture pour que ça veut dire que je n'ai plus la clientèle et tout pour détruire ma carrière. Donc ça n'a pas suffi qu'elle me vole. Quand elle m'a volé là, maintenant il faut qu'elle fasse partir une nouvelle que moi je mets le caca dans la nourriture. Non, mais mes frères et sœurs, il vous faut quoi? Il vous faut quoi? Pour connaître que cette fille, c'est l'agent du diable sur terre. Hein? Normal, elle collabore avec les gens qui tuent les prêtres. Oui, Ngongo, son homme de main qui tue dans mon propre département. Son village est à 10 km de mon village. Les enfants disparaissent là-bas. Je vous ai dit que j'ai acheté 4 cercueils le mois dernier qu'on enterre les enfants qui sont morts depuis juin dernier. Les corps étaient scellés à la morgue de d'un côté. C'est des gens qui règnent dans la terreur. Vous et moi, nous sommes Camerounais. Depuis que nous sommes dans le Cameroun, on n'a jamais autant appris des scénarios machiavéliques. On tue un prêtre, on le jette dans l'eau, on finit d'arracher ses nimbans et puis se servent de ça pour leur rituel satanique et tout. Et puis ils jettent dans l'eau et ils vous mettent un mot que je suis dans l'eau. Que le prêtre qu'on a tué lui-même, il s'est suicidé et il a dit que je suis dans l'eau. Maintenant, les enquêtes sont parties. On a retrouvé des images de ce prêtre dans le téléphone de Savou, qui était le maire de Bibé, département de la Haute-Sanaga, le bras droit de Ngongo. Il est enfermé à Kondengui depuis le 19 décembre 2023. Dans son, c'est la dernière personne à avoir vu Martinez Zoro. Les autres ne vont pas vous dire ça. C'est ça depuis, elle vous dit quand elle fait le direct, c'est que allez sur le mur de Boris Benton. C'est là-bas que vous avez les vraies informations sur cette affaire. Monsieur Jean-Pierre Amoubling et Monsieur Koko ne sont, c'est-à-dire, ni de près ni de loin mêlés à cette histoire. C'est Ngongo dans sa haine et sa course vers le pouvoir qui a inventé cette histoire et il s'est servi d'une de ses copines, qui est Lady Ponce, qui fait le sale travail sur les réseaux sociaux depuis des années sur la vie des Camerounais. Oh, le meurtre de Martinez Zoro s'est passé à l'immeuble de Camo sous-sol. On est allé faire. Hein, la police a fait une descente à l'immeuble de Camo. Il n'y a pas de. Il n'y a pas. Bonjour, bonjour, voilà. Voilà. Hermine Mboutou, merci beaucoup. J. Rémi Ngono, qui est le cousin de Lady Ponce. Ils sont venus ici en public. Ils vous ont décrit comment il y avait. Hein? Excusez-moi, écrivez un peu. Il y avait la plado noire. On a enlevé machin. On a fait ceci.
les gens sont venus de machin, c'est monté, c'est descendu, on a coupé la langue. J. Point, et Lady Ponce ont commencé à nous donner comment Martinez Zorro a été assassiné, ils ont donné le scénario machiavélique avant même qu'on ne retrouve Martinez Zorro. C'est la même chose qu'elle a fait avec moi, c'est-à-dire qu'elle me vole mes choses, je suis encore en train de me charmer avec elle. Elle a déjà lancé mes voices. Comment elle lui envoie parce que je suis en colère, elle lui envoie. Et tu as quoi et tout, machin, tu peux plus. Elle balance ça sur les réseaux sociaux et vous vous êtes versé sur moi. Elle a fait circuler la nouvelle comme quoi elle était SDF. Que je n'avais pas le papier. Que j'étais si, que j'étais zéro, je n'avais. C'est avec le temps que les gens me regardent maintenant. Ils voient mon travail. Il a fallu du temps. Et pourquoi? Parce que je suis une fille qui prie. Et que je suis allée m'asseoir, elle dit que non, Seigneur, la fille, elle détruit les vies, papa. Moi, prends-moi comme l'agneau de sacrifice. Moi, d'onction, que j'aille affronter cette fille. Et que je dise, ça va prendre du temps, hein, pourquoi vous me croyez? Parce que les choses de Dieu, c'est toujours comme ça, ça prend du temps. Mais c'est que petit à petit, vous allez commencer à comprendre. Voilà les gens qui viennent vous dire que un Camerounais a été kidnappé dans une crado noire. Qui a eu ci, qui a eu ça. Quand on lui a coupé la langue, quand on a coupé les zizi, quand on a fait ci, quand on a fait ça et tout. Après, on vous jette un macabé. On le filme comme ça de loin. Heureusement que nous-mêmes, hein, nous sommes les colombos de Facebook, on a zoomé. Le macabé qu'on nous a montré là avait les nimbas. Pourtant, on nous avait dit qu'on a coupé ces nimbas. Le macabé là avait le visage rond, alors que Martinez Zorro avait un visage comme ça. Le macabre avait une perruque sur la tête qui était jetée comme ça, alors que Martinez Zorro, ses cheveux étaient remplis ici. Donc, quand une fille, je ne vous comprends pas, comment vous pouvez encourager le diable comme ça? Et vous voulez que vos vies marchent comme il faut? Vous voulez avoir de la chance? Vous voulez que vos enfants réussissent? Vos enfants ne pourront pas réussir. Et vous allez galérer dans vos vies. Pourquoi? Parce que vous encouragez une diablesse. Vous savez très bien que c'est une diablesse, mais vous l'encouragez. Vous jugez ce qu'elle décrit avec son équipe. Vous avez vu son bras voir son frère petit américain venir me dire en public comment lui va coucher avec mon fils, un enfant de 8 ans. Comment tu peux, une personne normale peut imaginer des choses comme ça, coucher avec un enfant, qui va coucher avec ton enfant. Après, il vient vous dire comment lui couche avec mon homme. Dites-moi un peu, il a vu mon homme où? Dans la sorcellerie. Quelqu'un qui ne connaît même pas où. Où la carte du Cameroun se trouve sur la carte mondiale. Lui, petit américain, vient dire que lui, il couche avec mon ami. Et que lui, il a couché avec moi quand il était au Cameroun. Quand? Il ne peut pas vous dire. Il vous dit encore que lui va coucher avec mon enfant. Et il revient encore l'autre jour. Donc, les gens comme eux là, moi, je vous dis, vous prenez votre Dieu, vous donnez à Dieu. Vous prenez votre Dieu, vous donnez à Dieu. Vous les affrontez. Parce qu'on a assez laissé le diable faire sur terre. C'est pour ça que les gens sont là, vous tardez sur place. Vous avez des problèmes. Beaucoup d'entre vous, la Lady Ponce vous a fait, mais vous ne voulez pas parler. Les gens, les musiciens de la musique camerounaise, je vous ai dit depuis que vos noms sont chez les marabouts. Elle enterre les moutons vivants avec vos noms. Ceux qui sortaient les cassettes à l'époque, là, vos cassettes sont enterrées. Ceux qui ont essayé de sortir les CD, vos CD sont enterrés. Dès qu'elle vous approche, la petite fille qui a sorti la chanson l'autre jour, c'est maman, machin, maman, 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 zaza et tout, elle a sorti sa chanson. Ça marchait très bien. Elle n'a pas écouté mes avertissements que ne vous mélangez pas à cette fille. Elle est partie faire le featuring avec elle. Qui a voyé la vedette sur sa propre chanson. Et quand Lady lui dit que faisons le clip maintenant, quand la petite lui dit à Lady que faisons le clip maintenant, elle refuse de faire le clip avec la petite fille. Mais les TikTok sont déjà partis que c'est Lady. Elle est dans la petite. Vous aviez une autre petite là, Electra, qui est sortie. Elle a sorti une chanson qui chauffait comme ça, tout le monde aimait. Elle est où? À force d'aller chanter à la Ponce des Ténèbres, elle est teinte aujourd'hui. On n'entend plus parler d'aucun concert, aucun machin, rien. C'est une diablesse établie dans la musique camerounaise. Et elle s'est alliée à Ngongo, qui est un démon, qui est un diable qui veut détruire le Cameroun. Parce qu'il est inadmissible que les gens détournent en milliards. Il est inadmissible qu'un monsieur que Paul Biya, son excellence Paul Biya, a pris comme son fils, le maître à la place de secrétaire, comme il l'a mis là. Hein? Organise les sacs. Il positionne les ministres où il faut.
lui il prend derrière le cachet, il dépose, il dit que sous haute instruction. C'est comme ça qu'il harcèle les Camerounais. C'est comme ça qu'il prend les Camerounais, il tue. Mais il accuse d'autres Camerounais d'avoir tué. Il les prend, il jette en prison. Quand on le convoque, il ne parle pas. C'est vrai, monsieur, il fabrique les fausses entreprises. Et il vend les parcelles des terres camerounaises. Il tue les ministres. Le jeune ministre de Dondoké, c'est Ngongo. Oui. Donc ça ne m'étonne pas que Lady Ponce se mette, elle est faite. Elle me dit à moi, une Camerounaise comme moi, que depuis l'âge de 22 ans, je monte le business au Cameroun. Je peux tourner comme je tourne en Europe là, mais demain, il va porter mes trucs et tu vas porter mes 100 millions, mes 200 millions, il vient et pose au Cameroun. Même si après, il dépose le bilan, c'est pas grave, mais je suis allée investir dans mon pays. J'ai aidé mon prochain, j'ai donné du travail. Une fille comme ça qui n'a jamais rien fait, elle dit, pense où tu es là, tu as 46 ans. Ton vrai âge, c'est 46 ans. Moi, à 35 ans, j'avais déjà tout fait. Ce que toi, tu es prête à tout, que tu veux tuer tout le monde, tu veux anéantir tout le monde, tu quittes même ton milieu, parce que ça dit, tu viens, je viens de lire un de tes commentaires là, c'est pour ça que j'ai dit à mon type, excuse-moi, je vais vite faire un direct, rapidement. Quelqu'un, tu viens dire que moi, je mets le caca dans la nourriture. Le caca que, ça dit, une femme qui a préparé la nourriture pour tes enfants, hein, pendant 2 ans, presque tes enfants ont mangé sa nourriture, tu viens en public dire qu'elle mettait le caca dans la nourriture. Ça veut dire que tu n'aimes pas tes enfants. Donc, tu n'aimes personne où tu es là. Tu n'aimes personne. Donc, quand on t'accuse d'avoir tué ta danseuse et tué ton frère, accepte, ça ne sert à rien de déclencher les guerres, de venir en public, de faire comme si tout va bien, alors que, en solo, tu pleures. Tu es une sorcière. Et moi, je vais te dire que, mes affaires que tu as volées sont parties à martyr. Et c'est moi que le Seigneur a positionné, c'est-à-dire pour te présenter au monde entier. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais les gens vont ouvrir les yeux sur toi. Parce que quand je venais ici, je disais aux grands frères et quand, il me dit que créez vos médias, créez vos chaînes de télévision. Les autres sont prêts. Ils ne m'ont pas écouté. C'est aujourd'hui qu'ils ont compris que les réseaux sociaux, les médias sont importants. Parce que les autres viennent vous attaquer par là. C'est aujourd'hui que mon grand frère, Jean-Pierre Mbelinga, comprend que s'il avait 10 chaînes de télévision, il est milliardaire. Il ne se serait pas retrouvé où il est là aujourd'hui. Parce que les autres ont utilisé les médias et les réseaux sociaux pour mettre la pression. C'est pour ça que les nous comme ça, ceux d'en face, ils nous attaquent. Moi, je suis attaqué, hein. De nuit comme de jour, on m'attaque. Lady Ponce a derrière, tout son argent part chez les marabouts parce qu'elle pense que si elle me tue, je vais arrêter de parler. Lady, tu vas mourir avant moi, je te jure que tu vas mourir. Si tu ne m'as pas volé, si tu n'as pas volé à mon enfant. J'ai dit que même en pleine journée comme ça, la fougue va s'abattre sur toi. Tu dis que je mets la nourriture dans... Je mets le caca dans la nourriture. Si je mets les caca dans la nourriture, que Dieu me tue dans les 6 mois à venir. Mais si je ne mets pas, que Dieu te tue, il te frappe dans les 6 mois à venir. Je te le dis, ici, en face et devant tout le monde. Tu es venu, tu as raconté aux gens comment j'étais à la rue, j'étais SDF, j'étais si petit. Tu m'as abandonné avec tes enfants mal élevés, tes enfants dormaient par terre, j'ai pris mes choses. Pour offrir le confort à tes propres enfants. Tu te lèves aujourd'hui, tu dis que moi je faisais des attouchements sexuels à ta fille. Avant tu as dit que moi je couchais avec ton fils. Maintenant tu dis que je mets les caca dans la nourriture, ça veut dire que tu es diabolique. Non, c'est ça. Moi j'aime parce que tu viens le faire, tu penses peut-être que tu vas niquer mon business ou bien quelque chose. Et tout. On voit bien comment tu détruis le travail des gens. Parce que quelqu'un te dit que tu mens. Coco a déjà fait ses preuves, on connaît. Tu viens dire que oui, que toi aussi, Lady Ponce a déjà fait tes preuves. Tu fais la concurrence avec moi. Je suis dans le métier de bouche. Je ne suis pas musicienne, je ne chante pas. Va faire la concurrence avec tes collègues. Et je t'ai dit, arrête de clicher. Parce que tu couches avec les petits journalistes dans les radios pour qu'ils ne mettent pas les musiques des autres. Parce que pour que la musique soit connue, il faut que les DJ qui sont dans les radios là et tous les journalistes là mettent la musique tout le temps comme ça le peuple s'habitue. Tu pars, tu couches avec eux. Tu vas à la classe, tu couches pour qu'on ne passe pas les autres. C'est toi qui pars chez les marabouts. C'est toi qui envoies les enfants des gens chez les marabouts. Toi petit américain et toi Dana Fadjimatou. Le jour que vous téléchargez encore mes photos,
pour aller chez les marabouts, que ce soit à l'est ou à l'ouest, n'importe où vous irez avec mes photos. Je vous le dis ici en public. On ne va, ça dit la voiture, le tonneau que la voiture va faire, vous n'avez même pas idée. On va vous ramasser à la cuillère. Vos têtes vont s'écraser. Dites que mon nom chez les marabouts, arrêtez. Je sais que vous marchez à mon nom, mais vous ne pouvez pas. Parce que moi-même, je suis devenue Ngamba. Maman, elle peut vous soigner, vous êtes là, je vous enlève la poisse et la sorcellerie. Les dépenses, je dis que va te faire accoucher la sorcellerie que Dieu a dans ton ventre là. On va te dire que dans ta vie, si Dieu ne te tue pas, parce que ce qui est sûr, c'est qui va te tuer parce que j'ai déjà étalé ta sorcellerie, donc tu vas mourir où tu es là. Tu vas mourir. Non, c'est la seule solution. Et quand tu vas mourir, tous les autres artistes là, leur carrière vont redécoller parce que tu as mangé leur carrière, tu as enterré avec les autres de la torture. Où tu es là? Tu as fait le ndomba des carrières de plusieurs artistes, c'est-à-dire de plusieurs musiciens là, hommes comme femmes, parce que tu veux être seul à briller. Tu es quelque chose. Laisse tout le monde s'exprimer. Que les Tao Tao viennent chanter. Que les autres là, au Pixo, viennent chanter. Hein? Qu'on voit comment ils s'expriment musicalement. Comme ça, on va juger. Et on dira que oui, effectivement, tu es la meilleure. Mais tant que tu pratiques, tant que tu cliches, tant que tu tues mystiquement, et tout, pour moi, tu es zéro. Tu ne vaux rien. Plus, je te connais. Tu ne portes même pas de culotte où tu es là. Une femme qui vole une autre femme jusqu'au caleçon. Ou à dire, une voleuse. Tu es pire qu'une souris de l'église. Ça dit que tu voles. Dis-moi que ma soeur, je veux les affaires, les livres des enfants. Parce que si tu prends encore les livres des enfants, là, mais remets-moi carrément mes caleçons. Les slips. Tu voles les slips d'une femme. Tu voles les doudous d'un enfant. Tu voles la pierre tombale d'un patriarche. Ça dit. Un de tes copains m'avait dit que tu es. Que tu n'étais pas un être humain. Oui. Que tu es un animal. Et effectivement, tu es un animal. Tu n'es pas un être humain. Mais je vais te dire, où tu es ancré là? Parce que dans ton village, on t'a donné la sorcellerie. Tes soeurs et toi, vous êtes des sorcières. Parce que ta soeur Judith, vipez-moi la soeur de Lady Ponce, Judith, qui travaille dans la sécurité là à Lyon. Judith, ça dit. Plus sorcier, tu es le 114, donc tu as mon âge. Et entre Lady et toi, il y a un autre enfant. C'est pour ça qu'elle a 46 ans. Je dis que je connais tout de vous. Toi, tu n'as jamais appelé pour avoir des nouvelles des enfants de ta petite soeur pendant le Covid. Savoir même s'ils mangeaient ou bien s'ils étaient comment. Les enfants étaient avec une totale inconnue comme moi. Tu n'as jamais appelé. Tu es revenu dans la vie de ta petite soeur quand tu as entendu que elle a le cabaret à Yaoundé. C'est là que tu es revenu. J'étais pris et t'as amené faire les achats à Saint-Denis parce que tu voulais les habits pour aller au Cameroun faire les baptêmes de tes enfants qui sont là-bas au Cameroun. Même ce qu'on dit souvent que quand t'as accompagné faire les courses, même le café, tu ne m'as jamais offert. Mais tu es venu sur Facebook dire que toi tu donnais 2000 euros si on te disait où j'étais. Tu me connais? Tu as vu ce qui t'est arrivé au deuil de ton frère Lucas, non? Ce sont mes ancêtres qui t'ont donné le coup de poing là-bas. Boum! Si l'ambulance ne te portait pas, tu allais mourir là sur place. Vous allez comprendre que dans la vie, là, il y a enfants et enfants. Moi, je suis une enfant que fabriquée. Je vous dis que demandez à tout le monde mes vacances, je partais chez les grands chefs. C'est-à-dire, quand mon père ne m'a pas envoyé chez Vemongo, demandez au vrai Nanga. On va vous dire que Vemongo, et Vemongo, c'est un os dur. Mon papa, là, c'est comme ça qu'il s'appelait. Et vraiment, ça veut dire que Dieu, les grands chefs du département d'Abotsanaga, je partais en vacances là-bas, seul, avec les tout-pourris comme garde du corps, les tout-pourris qui travaillaient pour mon père. Demandez, on va vous dire. Quand je ne suis pas en vacances, ça veut dire le chauffeur part, il nous dépose. Il part, ou bien mon père même nous dépose, il part, il me laisse chez le papa là. C'est moi qu'on réveille le matin à 5h, 4h, quand les hiboux font rou, pour aller allumer le feu. Dors. Donc, mène-moi du bas, comme tu vois là. C'est pour ça qu'il va te décrire. Avec les vérités. Hein? Et avec la ceinture de vérité. Avec les 10 anges de Dieu. Et Dieu lui-même. Tu seras frappé. Parce que depuis, il te dit qu'on ne t'attaque pas à un ange de lumière, tu penses que c'est l'amusement. Quand je ne suis pas chez Vaimongo, demande à Ngongo, ton chou. Il y a celle même qui t'a verrouillé.
Ou au commissaire Nyon-Nyon. Ou aux Nanga qui sont autour de toi. Tu donnes le nom de mon père, on va te dire que c'était un dieu. Mon père ne s'amusait pas avec les sorciers. Si mon père était vivant, hein, c'est que ce que tu as fait là. Tu connais pas type là. Même pour lui a connu mon père. Tu ne connais pas ce monsieur. Tu m'as volé parce que mon père moi. Oui. Si mon père était vivant dans le Cameroun de Paul Biya, le Cameroun n'allait pas vous contenir. Il a dit, bon, toi et ta famille et tout, vous deviez savoir que sur terre, il y a les gens, il y a les familles que on ne touche pas, on ne s'attend pas à certaines personnes. C'est parce que mon père est mort. Que cela, ils ne savaient même pas que c'était moi. Ils entendaient Coco Labo. Quand ils ont su que c'est moi, la fille de mon père, ils sont là, bouche, c'est-à-dire qu'ils sont, la honte peut les tuer. Où ils sont là, les Nanga de la présidence là. C'est que ma famille de la présidence, c'est qu'ils ont déjà pété ça, fait un clou. Ils sont ancrés dans les clous là, comme on dit souvent que le clou fait, ils partent sortir là-bas. Ils ont honte d'avoir laissé qu'on vole, comme vous les voyez là. Mais comme je suis haut avec eux, ils ne savent même pas comment faire pour me dire calme-toi. On va te payer tes affaires. Ou bien reste tranquille. Donc, ce qui fait qu'ils ont le macabre de Lady Ponce. Lady Ponce ne peut pas être sponsorisée par une entreprise au Cameroun. Elle ne peut pas mettre une affiche que son spectacle est là-bas, est fait. On déchire. Tu es verrouillé. Moi, je t'avais dit que je suis à 6 ans en France. Je nique ta race. Tranquille, au Cameroun. Ce n'est pas tes histoires que tu fais que parce que tu couches avec les petits commissaires de gauche à droite, les petits colonels, là, tout machin, tout le blablabla, que tu dis que si tu viens au Cameroun, on va t'arrêter. Le jour que je viens au Cameroun, ton commissaire qui couche avec toi ou bien ton colonel, dans ma famille, j'ai au moins 60 colonels. J'ai au moins 20-25 cousines qui sont mariées avec des colonels au Cameroun. Ma propre petite soeur, la troisième, et avec un général, que je dise. Donc, tu ne peux rien me faire au Cameroun. Tu connais mes amis. Tu connais ma famille. Tu connais mon carnet d'adresse. Tu ne connais pas. C'est par accident que j'ai atterri chez toi. Et par mon frère Cyclone. Parce que nous sommes dehors. Nous sommes dans l'événementiel depuis des années. C'est pour ça que je lui ai fait confiance quand il m'a dit, ma soeur, au lieu de rester où tu es là, en plus tu viens de te séparer. Tu payes cher et tout. Viens. Et quand je suis arrivée, le Covid m'a coincé. Sinon, je fais quoi avec une fille comme toi? Tu n'as aucune éducation. Tu es sale. Voilà une fille qui se lave une fois par jour. On te voit ce mal-là que tu portes les habits, tu te maquilles, mais tu es sale. Tu es une saleté. Tu es une pourriture où tu es là. Tes pieds la pèlent comme le canard. Tous les jours, tu es obligé de prendre un scalpel pour enlever les peaux. Je comprends que c'est parce que dans la nuit, tu es une sorcière. Tu marches partout à quoi vous et tu es touché les gens. Donc la nuit, là, dans la journée, tu crampes tes pieds, tu enlèves comme ça. Il ne comprenait pas. Et elle enlève même le sang coule. Tu vois comment c'est rose. Elle n'a pas mal. Tu es une sorcière, Lady Ponce. Et ta sorcellerie est finie. Parce que maintenant, tout le monde va se blinder. Tout le monde va aller chez les pères. Tout le monde va devenir ganga. Tu enterres les moutons sur les vies des gens. On peut enterrer même le chameau sur ta vie. On enterre et ça va te frapper parce que tu as touché. Je dis bien à tous les musiciens que votre carrière, là, vous n'arrivez pas à décoller. C'est elle. Donc, vous-même, allez faire, vous mettez son nom. Ça dit, tu vas pourrir devant nous ici. Là. Parce que Dieu ne peut pas te prendre vite fait. Il va te donner une maladie où tu es même d'abord déjà là. Tu es déjà là, tu as des maladies bizarres sur toi. C'est ce que les Camerounais ne connaissent pas. Ton cœur a des malformations à cause de la sorcellerie. C'est moi qui te dis. Sorti Dieu aux Camerounais qu'effectivement, tu as une malformation dans le cœur. Parce que c'est toi qui lances les AVC aux gens. C'est toi qui lances les folies, c'est toi qui... Donc, tout ce que toi, tu veux faire sur moi, je renvoie sur toi. Ou tu es la Lady Ponce, tu as une malformation cardiaque. Tu fais déjà les épilepsies. Tu te souvres en plein concert. On t'a vu à l'Olympia. Tu as fait la scène. C'est Jaguar Amour qui dansait là-bas comme le bulldozer. Toi-même, on t'a pas vu. On n'a pas vu celle qu'on pensait que voilà, c'est elle qui fait machin et tête. Tu es nul sur scène, tu es nullarde. Tu viens me dire que tu vas faire le zénith. Tu as fait le zénith avec quoi? Tu as le souffle pour faire le zénith? Tu as vu Fali Poupa? Ça veut dire que non-stop, deux heures de temps, tu chantes, tu danses. Oui, tu peux pas. Tu as soufflé, le petit Olympia t'a dépassé. Tu faisais des épilepsies dans les loges. Tu crois qu'on est pas au courant? On est au courant. Tu
tu es déjà fini. Mais ton diable t'a dit qu'il faut que tu fasses vite, 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 vite là. Vite là. Tu es en train de faire comme ce qu'on fait souvent, que vivre jeune, vivre heureux et mourir jeune. Parce que tu sais que tu as fait trop de mal et que ton heure, ta fin est proche. C'est pour ça que tu fais les dégâts. Tu fais tout. Dès que tu as entendu que Charlotte Dipanda fait son concert à Paris, dans quelques jours, tu n'avais pas de projet de sortir ton album, parce que un album, c'est un projet qui se prépare depuis des mois. Depuis des mois, ça veut dire qu'un an, l'artiste vous dit qu'il est en train de vous préparer quelque chose. L'année dernière, tu nous as présenté un album. 2022, un album. 2021, un album. Dès que tu as entendu que Charlotte Dipanda fait son concert à Paris, toi, tu veux déjà faire le Zénith. Toi, tu sors déjà l'album. C'est par des petites... Parce qu'on ne va pas attendre que tu fasses grand-chose. Hein. C'est des petites choses. C'est par des petites choses qu'on va remarquer que tu es une sorcière. Tu n'aimes pas voir quelqu'un briller. Où tu es là, tu faut qu'on parle de ton album et de parler du concert de Charlotte Dipanda qui est dans quelques semaines. Il faut qu'on parle de toi. Mon album, tu as vu, il a signé le contrat avec lui. La maison d'édition qui t'a fait signer le contrat, là, c'est fini comme ça. Ils ne peuvent pas sortir un grand musicien là, ou bien c'est fini. À partir du moment où ils ont signé avec toi, là, tu vas noircir leur label. Leur label est noirci. Et moi-même, je vais leur faire un courrier. Parce qu'ils ne vont pas dire qu'on ne leur a pas averti. Je vais leur faire un courrier avec les photos, les images, tout. Je vais écrire à Nantes. Oui. Je t'ai dit que je suis en mission pour toi. Tu as vu me décrire? On décrit une fille comme moi. Tu me connais? Tu sais pourquoi je suis venue sur terre? Avec tes yeux de sorcier, nous, à Kouaoulou, tu regardes les vies des enfants, des gens, tu vas arracher les étoiles. Quand tu ne réussis pas, il faut que tu gâtes. Tu vas gâter mon business. Mais je vais te mettre une bombe dans le fion. C'est ce que je voulais te dire ce matin. D'accord? Et puis te dire que ta fin est proche. C'est-à-dire, moi, je suis le martyr et mes affaires sont parties à martyr. Par moi, les Camerounais vont connaître qui tu es. Tu vois, personne, aucune blogueuse ne te soutient plus. Aucun blogueur, normalement, quand il y a comme ça, là, ce que tu as déjà vu, les dit, pense à gauche, je dis, ceux qui te soutenaient avant ont vu ta sorcellerie, maintenant, ils ont ton macabre, mais ils ne peuvent pas t'attaquer violemment. Mais tout le monde t'a vomi. Ce qui fait que toi-même, tu es obligé de venir avec ton faux profil à Noblinga pour te défendre. Et quand tu viens te défendre, tu menaces mon fils. Tu menaces mon enfant. Ton frère, petit américain, menace mon enfant. Il t'a dit que moi, tu as toi. Ou ton fils est ici dans le 78, je connais. Ou ta fille est dans le 95, je connais. L'autre est parti à Douala au Cameroun. Ça dit, ça ne peut même pas me dépasser. Parce que c'est les gens de Dédo. Et je passe à Dédo comme ça pour aller chez moi. Et Douala, là, c'est ma vie. Douala, c'est ma vie. Ma famille est à Douala. C'est mon grand-père, le père de Lingueton, que tu as volé sa pierre tombale, qui était le premier chef des Béti dans Douala. Demande à tous les Nanga, on va te dire. Et ton Alembe, Alara Lembe, Mengalara. Donc, comme tu vois là, mon grand-père, le père de celui que tu as volé sa pierre tombale, c'était le premier chef des Béti dans le littoral. Dans ma famille que tu vois là, nous on a les terrains après Bonaberry là-bas. Tu vas voir, il y a les villages des Nanga là-bas. Si les gens de Douala sont là, ils vont te dire, je suis la petite fille de Toralembe. Le père de Lingueto que tu as volé sa pierre tombale. Quand il te dit que tu as volé la pierre tombale d'un chef, d'un patriarche, tu ne connais pas. Le père de Chantal Biya que tu as volé. Son grand-père était le chef, le premier chef avant le chef de Libye. C'est mon grand-père. Nous sommes de New Bel. Ancien étage. Le terrain que tu vois là. Le monsieur que tu as volé sa pierre tombale. Son petit frère Mekinda. A les maisons là-bas comme ça avec les locataires. Que je t'explique d'où je viens, qui je suis. Pourquoi est-ce que je peux me mettre en public? Je te challenge. Je suis une reine. Ça va t'apprendre que si tu vois même un fou en route qui mange dans la poubelle, ne va pas t'attaquer au fou.
pensant que le fou là n'a personne, bien là, le fou là n'est rien. Il dit que tu es allé frapper où il ne fallait pas. Et tu vas payer. Il te dit que sors même sans album, 50 chansons écrites, mais tu stagneras sur place. De belles minutes. Ma bon d'a aucun. Outil belle, outil qui peut. Gota ni ma corps sans son. Gota ni a corps son et linga lebe. Et lingito. Binen. Menenda la lebe. Binen. Demande. On va te dire. Aucun rituel sur cette terre. Aucun pasteur, aucun prêtre, aucun marabout, aucune secte, aucune obédience ne peut briser ce lien karmique. Si ce n'est moi-même. Mes paroles sont scellées dans le ciel. Dans le ciel. Tu m'as volé, donc ça va te frapper. Où tu es là, tu es fini. Tu viens me dire que tu ne vas pas, viens ici là-bas, tu ne vas pas. Mais qui t'envie? On peut envier le diable. Hein? Même si tu as une, c'est une richesse diabolique. Tu m'as vu, moi, j'envie l'argent de mes gens qui sont à la présence là-bas. Ils détournent un milliard, c'est un milliardaire. C'est des milliardaires. Que sans ce babo que tu vois là, c'est ma soeur, on parle quoi comme ça? Amen. La mère d'Indira. Elle descend comme ça, elle part de chez eux là-bas en haut. Elle descend, elle me prend, on part à l'école. Tu m'as vu l'appeler pour manger? Hein? C'est ma famille, c'est pas d'or. Même Chantal Biamène. Tu m'as vu appeler. Je ne suis pas vous, hein. Je connais ma valeur. Je sais d'où je viens. Et mon argent est propre. Je préfère être comme je suis, moi, comme ça, là. Je demande donc mon don. Que d'aller prendre l'argent des Camerounais. Je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est un bien mal acquis. Mieux pas voler en white d'or. Que de prendre l'argent des Camerounais avec le mauvais cœur comme vous prenez là. Qui t'envie, les y pense. Tu as quoi? Ton argent, même tout l'argent que tu. J'étais là-bas, on m'a farouté, et machin et tout. Tu fais quoi avec cet argent? Ça part chez Marabout pour attacher les gens. Parce que tu vas attacher tout le monde où tu es là. Tu vas attacher tout le monde. Tu ne veux pas. C'est, tu ne veux pas que quelqu'un brille. Tu veux tout gâter. Tu veux. C'est-à-dire. Et tu entraînes les gens dans ta sorcellerie. Tant mieux pour eux. Et c'est bien fait pour eux, parce qu'ils vont être coupés. Oui. Donc, doucement, doucement, tu vas tomber, Lady. C'était mon direct de ce matin. Et je n'ai pas publié parce que c'est le week-end, je dois m'occuper de mon homme. À côté, j'ai mon fils, j'ai deux maisons que j'ai. Tu comprends? Tu as vu les choses de Dieu. Tu peux sortir avec la catégorie de mon homme là. Il peut te regarder avec ton corps rafistolé de partout. Que si tu te déshabilles, tu te mets à poil devant les gens là. On voit l'état de tes seins. On voit les positions de tes fesses. On va dire non. À vomir. Tu es obligé de vraiment. Ça va. J'ai pas besoin de mettre des tonnes de maquillage pour plaire. J'ai pas besoin de pratiquer la sorcellerie pour plaire. Tu dis que oh, coco, marabouté, machin, blablabla. On te maraboute pour prendre quoi? Pour hériter de quoi? La sorcellerie? Hey, mes gens. Hein? On te maraboute pour prendre quoi? La sorcellerie? Une fille comme toi, j'ai arrivé chez toi, même le matelas, tes enfants dormaient par terre, la poubelle. Les cacas que tu parles à tes enfants dormaient dans les cacas des chiens. Et ils mangeaient les cacas que je leur donnais. Tes enfants. Tu n'aimes pas tes enfants. Parce qu'un parent qui aime les enfants ne peut pas venir en public dire que son fils a couché avec une vieille ou bien qu'on a fait les attouchements à sa fille. Donc tu n'aimes personne où tu es là. Ton problème, c'est que tu vas arriver où tu as dit à ton père, c'est tant que tu vas aller. Mais maman, tu ne peux pas arriver là-bas. Tu ne vas jamais arriver au sommet. Tu ne vas gagner aucun prix dans toute l'Afrique. Et là, comme ton show, Ngongo, est en train de partir en prison parce que hier, il est entendu sur l'affaire Martinez-Zoro. Parce qu'il est complice, celui qui a donné l'ordre
à Savo d'assassiner Martinez Ozogo, il va aller en prison. Et toi, qui es venu en public soulever le peuple avec tes scénarios diaboliques, comme tu écris des scénarios diaboliques sur moi ces jours-ci-là, tu vas le suivre. Parce que je profite de ce direct pour encore dire à mon grand frère, à mon Belinga, et à mon grand frère, Léopold Maxime Ekoeko, que quand vous sortez de là, vous me mettez cette diablesse. Si vous aimez les Camerounais, grand frère Moulinga, tu as pris ton agent pour créer les entreprises. Pour créer tout ce que tu as créé là pour les Camerounais, ça veut dire que tu aimes le peuple Camerounais. Ça veut dire que tu aimes le Camerounais. Je me mets à genoux devant toi, grand frère, ce matin, que dès que tu sors, ça dit, cette chanteuse-là, ça dit, tu dois la poursuivre, que ce soit ici en France, que ce soit au Cameroun. Elle doit aller en prison pour libérer. Tu es notre libérateur ou tu es là? Grand frère, je me suis mise à genoux devant toi. Ton père s'appelait Daniel. Mon père même s'appelle Daniel. Mon fils s'appelle Daniel. Tu es Verso. Je suis Verso. Voilà ce que moi, ta petite soeur, je te demande au vu et yeux de tout le monde, que c'est Dieu qui m'a mise là dans ce combat. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais dès que j'ai vu cette sorcière amener ton nom sur les réseaux sociaux, je me suis levée. La seule chose que moi je te demande, papa, dès que tu sors, tu me portes plainte à cette fille pour m'aider dans mon combat que Dieu m'a donné, dans ma mission que Dieu m'a donnée. Parce que seul contre cette diablesse qui est avec tes ennemis, je ne pourrais pas. Mais dès que tu sors, grand frère, devant toute la famille, devant tous les combattants, cette fille, pour que la musique camerounaise soit libérée, pour que les Camerounais, les Camerounaises soient libérées du satanisme, elle doit la condamner. Parce que ce qu'elle a fait est inhumain. Tu ne peux pas venir en public prendre un monsieur qui a des milliers, des dizaines, des milliers d'employés dans ses entreprises. C'est-à-dire, tu montes un scénario aussi diabolique. Viens dire sur moi qu'elle est SDF, elle est assise, elle est diabolique, elle a le sida, elle fait manger les caca et tout, mais tu ne peux pas prendre la vie d'un monsieur qui a des dizaines de milliers de personnes derrière lui pour jouer avec. Tu es qui? Tu es qui pour jouer avec la vie des gens? Les dépenses. Tu es qui? Tu n'es qu'une petite sorcière, un cancre là qu'on va écraser comme ça. Oui. Et à toi, mon grand frère, Léopold Maxime Kweko. Papa, tu as fait tes études. Tu as ramé pour être là. Le chef de l'État t'a nommé, il te fait confiance car tu es un de ses fils qu'il a beaucoup apprécié. Tu as fait tes preuves dans ce Cameroun. Regarde où une fille et son frère et leur équipe t'envoient. Tu étais déjà parti à la retraite, on est parti te chercher pour t'amener. C'était pour venir t'envoyer où tu es là. Donc, papa, quand tu vas sortir de là, cette fille et sa bande, pour que je sais que tu es un croyant. Coucou ma fauve branle, coucou Dedo. Ça dit, tu dois faire le travail de Dieu. Ça veut dire, tu portes plainte à cette fille. Tu portes plainte à ce passé où vous êtes là, vous deux. C'est du jamais vu ce qui vous est arrivé dans le monde. Donc le Seigneur s'est servi de vous. Vous êtes des martyrs pour libérer le peuple camerounais à tous les niveaux. Parce que Ngongo avait l'habitude de faire ses sales coups. Personne n'était au courant. Mais dès qu'il vous a pris, il vous a envoyé au nouf. Tout ne fait que sortir. Tous les jours, tout sort, les choses sortent. Donc vous êtes les martyrs, c'est vous que Dieu a choisi. Et les illuminés comme nous, comme ça, tous les jours, je remercie Dieu. Je dis que Seigneur, merci de m'avoir donné, de m'avoir fait don d'intelligence spirituelle. Que j'ai soutenu mes grands frères, j'ai cru en eux. Ils ne me connaissaient pas. Et je suis sûr qu'ils restent même comme s'ils disent que celle-là, elle sort même d'où. Comme je suis toujours en train de faire rire les gens. Je suis sûr qu'ils disent même souvent que maintenant, à soirée, elle sort d'où. Et tout, elle est venue nous défendre comme ça. Et oui, parce que le Seigneur, maintenant,
n'utilise plus les anges comme à l'époque pour venir sur terre. Le Seigneur utilise les personnes comme moi, lambda. Oui, je suis avec vous, je fais aussi les péchés comme vous et tout, je fais les mauvaises choses comme vous et tout. Mais le Seigneur m'utilise pour certaines missions. Donc c'est le Seigneur qui m'a utilisé. Je sais que dans les jours à venir, vous allez sortir de là. Que ce procès qui va accompagner, qui va commencer là, qui va débuter là, que le Seigneur pose sa main sur les juges, que ça veut dire que le diable ne vienne plus manipuler et que son excellence, le chef de l'État, papa Paul Biard, tu es verso, papa, tu es un étang, il sait que où tu es là, tu es encore fort. Mais on veut nous faire croire, le diable veut nous faire croire que tu ne tiens plus le Cameroun, que le Cameroun c'est les satanistes qui dirigent le Cameroun. Mon père, je suis contente parce que tu as demandé à ce que les enquêtes soient menées. Et les enquêtes sont au niveau où c'est là. Personne ne bloque ces enquêtes. Il a dit que même si c'est Chantal Biya, même personne ne doit bloquer ou pas. C'est moi ta fille qui te le demande aujourd'hui. Nous voulons la vérité. Le peuple veut la vérité. Nous savons que ce n'est pas nos grands frères qui avons commis, qui ont commis ce meurtre-là. Nous voulons les commanditaires. Pourquoi Martinez Zogo a été tué? Il a été tué comment? Où est son cadavre? Ils ont jeté dans la synagogue. Ils ont donné au crocodile. Parce que le Maccabée qui est au truc là, ce n'est jamais Martinez Zogo. Et nous le savons. Puisque les avocats n'ont pas l'ADN. On ne veut pas leur donner l'ADN. Ça veut simplement les résultats, l'autopsie. Ça veut dire que ce n'est pas Martinez. Nous savons. Donc, papa, nous voulons être, ça dit, libérés. Nous sommes là. Nous voulons la vérité. Tu es notre père à nous tous. C'est Dieu qui t'a mis où tu es là. Tu ne peux pas faire que tu encourages les diaboliques comme un gongo et sa bande. Papa, moi, quand la maman de Cathy vient ici à Paris, ta belle-sœur, maman Yamin Ebite Tama que veut. C'est moi, quand je suis au Cameroun, maman Zou, un vomeka, maman Yamin be chef traditionnel, be sœur Moyomosala, du canton de Moyomosala, maman Yamin be Bidi. Quand moi, la minga Zou, Facebook, à la Katina, ma fille, me bi, à Bidi. Mito vale, mito que jojo. Nya joyena, nya akabo, bo conseil, nya akabo, bo mission, be. Nya ka jouer carrière oué rien ndama meza ba carrière amoyo nga son public aza katena me ma fiti me bi abidi ana mo na yi na bote bote bota commander abidi ya heureusement na bote ba suivre ni c'est les gens qui sont c'est la basse là c'est la racaille ils peuvent pas commander ma nourriture ma barquette de nourriture c'est 35 euros la barquette ça veut dire que je prends les cuisses de poulet deux cuisses de poulet je braise 35 euros avec le planteur et les gens achètent. Je refuse même les commandes parce que maintenant, ça dit, je peux bien me brûler, moi, faire n'importe comment. Je ne peux pas pour mes gens. Donc, les diplômes, tu perds ton temps. Les gens qui te suivent ne peuvent en aucun cas être, faire partie de mon canal d'agresse de ma clientèle. Donc, continue ton Congo, ça, avec tes sales copines qui ont les dentiers dans la bouche, les pourritures qui pourrissent les pieds ici. Les copines des bars que vous buvez, les bières, vous arrachez, hein, vous décapsulez avec eux. Avec vos bourrides, je ne suis pas de votre acabit. Ok? Nous n'avons pas été élevés avec les mêmes éthiques. Nous ne venons pas du même monde. Vous êtes des ténèbres et moi je suis de la lumière. Donc ne vous attaquez pas à moi parce que plus vous vous attaquez à moi, plus vos choses sont étalées. Et je ne peux jamais, à grand jamais, collaborer avec vous. Jamais. Donc l'autre qui a fantasmé hier, qui a mis sur son mur que moi je l'ai appelé en masqué. Il va te dire quelque chose. Je ne prononce même pas ton nom parce que tu cherches le clash avec moi. Parce que même si virtuellement elle a s'arrêté pour se transmettre. Je connais où Lady Ponce vit. Je connais la famille de Lady Ponce. Je connais les amis de Lady Ponce. D'accord? Si je veux discuter avec elle, je connais son avocat, qui est un grand frère aussi. Je ne passe pas par Maître Ndoumou qui a une plainte contre moi parce qu'elle m'a porté plainte. Et que j'ai vu, que j'ai le numéro, que j'appelle souvent sur WhatsApp, grand frère, comment tu vas? Et tout.
Hein, on rigole, il me menace et tout, mais c'est un grand frère. Je connais l'avocat de cette pétasse-là. Je ne l'appelle pas lui pour dire que grand frère, dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, allez du bien comme ça, et puis tout le monde se chamaille sur moi. Pour l'affaire, il dit que tu es mon grand frère, tu ne peux pas prendre la plainte. Il me dit, tu fasses comment, tu veux que je fasse comment alors? Vous êtes toutes mes soeurs. Hein? Ongolo, c'est mon cousin. Parce que le père Ongolo, c'est Mbeng Boniface, et mon père, c'est Mbeng Alara. C'est les frères. Et Maître Ndoumou et mon frère, c'est les amis comme ça. Tu comprends? Donc, je n'appelle pas Maître Ndoumou qui est ici à Paris, bien que devant ma voiture, prend une bonne bouteille de vin ici, là, chez son beau-frère. Hein? Où je l'invite dans un bon restaurant, un bon coin, là. Comme il aime les bonnes choses, mon grand frère, là. Que grand frère. Il va me dire que, oh, petit sorcier, eh, tu m'achètes tout, mais il va venir. Parce que c'est un bon grand frère. C'est quelqu'un qui me veut la paix entre ses soeurs. Je ne pars pas le voir pour faire la paix avec les dipons. Je vais appeler une souillure comme toi. Une analphabète comme toi. Une saleté comme toi, une fille qui n'arrive même pas à manger, une fille qui, quand on couche pour les ailes de poulet, pour les Heineken, je vais t'appeler, toi, hein, tu es malade, je vois que vraiment, votre père Satan vous trompe, hein? Mais les filles, malgré tout ça, vous n'allez pas me salir, parce que je suis dans une autre dimension. Donc c'était mon direct de ce matin, hein, non, ne riez pas. Malice, toi-même tu m'as énervé, toi ma soeur, parce que yo nuna, voyons-moi, on va y aller, on va y aller, et tout, on va y aller, 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 on attention, ma soeur. Quand tu as une soeur comme moi, comme ça, tu vois que non, ma soeur, là, elle est éliminée, ma soeur, là, toi. Il faut que tu saches que. Hein? Hein? C'est ça? Mais tu sais pas. Pourquoi vous-même vous suivez les filles comme ça? C'est vous qui les encouragez. Ne suivez pas les filles comme ça. Attendez, je vais aller servir la petite femme manger. Ok, il est 11h30. Ah bon, vous, c'est ma zoo, hein? Les filles là, elles ont les trucs qui enregistrent, elles ont même les machins. Comme elles sont dans les clashs, elles sont dans la salle. Dès que tu appelles, pac, ça enregistre déjà. Non, c'est ça, hein? Non, dès que tu appelles là, oui, c'est caca, il voulait te dire que maman elle a déjà enregistré. Elle a déjà enregistré, elles vont faire. Les filles là m'ont même mise, elles ont payé un petit garçon, vous vous souvenez la dernière fois, qui allait m'inscrire dans les sites pornographiques en Hollande. Les filles qui se mettent dans les vitrines là. Ils sont allés me mettre là-bas. Ils ont coupé ma tête. Ils ont déposé sur les actrices de porno. Hein? Ils ont fait une vidéo où ma tête faisait seulement comme ça là. Et ils ont mis les doigts. Donc genre, je suis en train de me... Tu ris même quoi? Hein? Tata Guylaine est sortie la télé. Et là, Guylaine Chapuis. Oh, ma soeur. Donc, elle insultait mes lèvres comme ça, là, qu'elle-même voulait aller refaire ses lèvres. Guylaine Chapuis m'a insulté. Oh, c'est là, botoxé de partout. Guylaine, ma mère a ça. Demande aux gens qui me connaissent. Chez nous, c'est naturel. Toutes mes soeurs ont les pommettes. Nous, on a ça. Les bourgeoises vont faire comme toi, là, pour mettre les pommettes. Maman, tu es partie mettre les pommettes. Tu as insulté ma bouche et tout. Moi, ma bouche, elle est déjà finie. J'attends l'été, là.
dans quelques mois, elle va encore aller, elle va me détartrer les dents. Et puis, je vais encore aller me faire injecter. C'est de l'eau, hein. C'est un liquide là où c'est acide, quoi, là, comme. Maman, tu es partie. Maman, tu étais en tolérie, maman. C'est comme une voiture qui entre, elle ressort. Il y avait quoi avant? Il va te sortir le flyer, c'est ça. Guylaine Chapuis avant, Guylaine Chapuis maintenant. J'attends que tu dégonfles un peu, que tu sois bien, que tu nous présentes ton visage, que tu es parti faire en Turquie là. Elle est en Turquie. Moi, j'ai refait mes lèvres au Luxembourg, maman. Tu dis que tu es française, tu pars. Vous dites que vous avez l'argent, vous partez en Turquie pour faire les choses. Mon frère, c'est au Luxembourg qu'on avait refait mes lèvres. Et regarde mes lèvres, depuis 2 ans que j'ai fait mes lèvres, regarde, elles sont toujours bien. Même si je rajoute, ça sera peut-être 100 mg, 50 ici, 50 là. Ou bien 25 ici, 25 ici, 25 là, 25 là. 100, pas beaucoup. Elle a fait au Cameroun. Elle a filmé, elle vous a montré que c'est au Cameroun. On fait déjà ça au Cameroun. Minalmi. Quand elle met de la graisse, on voit. C'était au Cameroun. En Turquie, pardon. Elle parlait. Hein? Ce n'est jamais. Donc, Guylaine Chapuis était jalouse comme ça là. Hey! Maman, elle m'insultait. Il faut voir comment elle m'insultait. Hey! Tu as refait tout, ma chante. Là, voilà, elle est partie. Oh, vous n'avez pas de personnalité. Je n'avais pas insulté une personne qu'elle a été refaite. Et puis, on te voit en live. Comment tu es en train de te faire? Ça dit, on est en train de te repenser la tolérie. Hey! Bon, mes gens. Donc, pour ce midi, moi, je vais faire mon filet de barre. Avec du basilic. En fait, maman, son va, elle est partie faire le ventre. Ah, Guylaine Chapuis, regarde-moi. 50 ans, voilà. Tu m'insultais que je mettais le S et tout, machin. Tu... Maman, je suis au M maintenant, mais même 40. Tu vois comment le mariage me va. Hein? Voilà. Donc, mes princesses, nous allons faire du filet de barre. Alors, mon homme, faut surtout pas lui servir le poisson avec les arêtes, c'est interdit. Les enfants qui ont grandi, servir à table avec les gens assis comme ça là, et les chemises blanches. Voilà, donc nous ici, c'est du filet de poisson. Donc je vais mariner mon filet de poisson simplement, ça veut dire que ail, basilic, je vais piler tout ça ici. Je marine mon filet de poisson avec et je vais cuire dans du beurre. Ça sera assorti des haricots verts. Alors, mes haricots verts là, je vais les faire pré-cuire, c'est-à-dire dans une eau bouillante avec un tout petit peu de bicarbonate pour que ça garde un peu la couleur verte. J'ai dit bien un tout petit peu. Hein. Et une fois qu'ils seront pré-cuits, je vais les sortir, je vais mettre dans de l'eau glacée, de l'eau bien froide. Voilà, comme ça, l'eau froide là va paralyser la couleur verte. Et ensuite, je vais rissoler avec du beurre, échalote et ail. Et ensuite, je vais rajouter mes haricots verts pré-cuits. Voilà. Donc, je vais encore laisser mijoter pendant 5 minutes. Vous aurez la suite tout à l'heure. Bon, mes gens, on refait le Congo ça après, si vous voulez, pardon, parce qu'il faut que je fasse à manger pour le chef. Hein? Parce que si on me chasse encore ici, mes soeurs la fantasme, l'autre l'influenceuse caca est allée fantasmer là-bas, dit que le blanc m'a chassé. Les gens se sont inquiétés. Notre châtelain où? Il dit, vous écoutez le Congo, ça les filles là. Mais comment les filles restent? Elles fantasment que ton gars va te laisser tomber. Mais vous êtes les sorciers. Pensez qu'il peut me laisser tomber là. C'est Dieu qui me l'a envoyé. Il n'est pas plus le mari de quelqu'un. C'est Dieu qui m'a envoyé cet homme. D'accord? Donc vous rêvez. Quand vous restez, vous rêvez seulement qu'on m'a chassé. Ah! Non, les gens sont même à vos parents, vous en avez quand même. Aïe! Moi, je vais remercier mon père toute ma vie parce qu'il ne m'a pas élevé à jalouser les gens. Hein. Les filles sont là sur les réseaux sociaux à fantasmer. Comment ton gars va te laisser tomber, va te jeter. Mais je ne dis
comme tu m'as volé les mamies. Je prépare dans du cristal. J'ai dit, tape, va sur Amazon. Tu tapes la marque cristal. Ça va s'appeler cuisine. Tu vas comprendre que quand tu veux faire du mal à quelqu'un, tu fais plutôt du bien. Voilà. Ok. Tu vas la pré-cuire. Sangra, si mangeait même notre nourriture là, ma béni caïmana, c'est que je lui fais le couscous avec un bol bien chaud, il mange. Mais le petit fille, c'est compliqué. Un jour j'ai fait la sol, attendez. Un jour j'ai fait les dames de sol là. Pour manger, il fallait voir, il avait du mal à manger parce que les arrêts, tout ça était tout bon. J'aurais dû préparer, mais c'est au restaurant qu'on fait ça. Il m'a dit, plus jamais, Yangono, tu me sers du poisson comme ça. Une mamie n'est pas facile, hein. C'est un verso. Il n'est pas facile. Alors, la seule chose que je m'arrive à lui faire manger, c'est la même plantain, ou alors du filet déjà mélangé, tout comme vous voyez. Mais sinon, poisson, bonne viande, des huîtres, des homards, des choses comme ça. Ça, les gens sont bien les aussi, donc. Donc ça c'est pour mes haricots. Il te dit, maintenant, bébé, il t'a pas là, venez quoi, il vit. Gota le moto. Et il te dit ça, que ne me sert plus jamais. Il m'appelle mon nom, Yangono. Parce que vous pensez que vous avez la mauvaise bouche, vous êtes là. Le verso, blanc comme noir, ben. C'est pour ça que quand mon grand frère le zombie, je suis venu dire aux gens que vous êtes les feignants ici, vous avez son macabo, il vous a dit que vous étiez les feignants, c'est vrai. Est-ce que vous n'êtes pas les feignants? Vous êtes les feignants, les jaloux, les sorciers. Il va sortir, vous allez voir. Voilà, moi je vais mettre un peu de bicarbonate, comme je vous ai dit, dans l'eau. Bon, faut voir manger un tout petit peu de bicarbonate. Voilà. Donc pour cette quantité de... Je vais mettre une petite cuillère, même pas une petite, même pas. Voilà. Voilà. Non, je ne remplis même pas, vous voyez, je mets dans l'eau. Voilà, je tourne un peu la caméra. On va cuisiner aujourd'hui. Hein. On va y en faire le combo ça en même temps. Je ne pourrais pas avec vous. Ouais, mes fans de la cuisine. Fallait qu'elle soit là pour eux. Hein? Tu as jamais fait manger à frites. Ah ouais? Hein, Aminatou? Il t'a fait ça? Non, Aminatou, il t'a fait ça? Donc maintenant, il mange le BH au Cameroun alors qu'il ne voulait pas manger. Ah, vraiment. Ça c'est un sel préparé par un grand chef ici à Paris. Faudra que je lui demande encore. Hein, ma? Donc vous vous êtes séparés, il est parti au Cameroun maintenant. Hein? Il est parti au Cameroun, il chope les BH là-bas. Tu as vu ça? Quand j'étais en Suisse, j'étais partie au Cameroun avec mon ex. Bonjour aussi, et tout, et tout. Lui-même, le moustique lui faisait peur. Donc, quand on va au Cameroun, il réserve au Méridien, à Douala. Je lui dis que non, on va prendre un appartement meublé. Et que non, je vais aller à Méridien. Non, 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 il parle, vous savez, les Suisses allemands, là, mes soeurs qui sont avec les Suisses allemands, là, connaissent. Et tout. Ça, on arrive au Méridien. Je ne sabote pas le Méridien. Hein, mais à un moment, le Méridien, là, il y avait souvent les moustiques. Ben oui. Puisque le voulier est derrière, donc il y a les moustiques. Les moustiques chez nous. Dans la chambre. Parce que bon, à Douala, il fait très chaud. Donc, ben, on ouvrait, quoi, pour aérer un peu. Donc, le soir, des fois, il y a les moustiques dans la chambre. Ah, moustiques. Ah, chaisé. Et tout. Il te dit qu'on prend un appartement.
Coucou Fallon, tu vas bien, ma petite soeur chérie? Comme pour un appartement, parce que dans les appartements, là, tu peux doser ton climatiseur comme il faut. Mais les climatiseurs des hôtels, là, au Cameroun, ont toujours des soucis. J'ai dit, hein, après 3 jours au méridien, on a dû déménager. Nos gens-là, ils sont souvent terribles. Donc, moi, comme j'avais le restaurant et que j'aime bien aller moi-même au marché, quand je suis au Cameroun, hein, vous voyez toutes les photos, là, c'est moi-même qui fais les photos. Donc, je veux moi-même aller au marché, choisir mes tomates, mes choses et tout et tout. Il veut venir avec moi. J'ai dit non, ne viens pas. À Youpé là-bas. Vous avez le Youpé, non? Où on vend le poisson? Pas le Youpé derrière le méridien. Il y a le Youpé où on vend le marché au poisson là-bas. Où il y a les lobbies, les mardos là. Qui connaît? Qui connaît le secteur là? Bon, moi, en tant que restauratrice, je vais pas travailler. Je vais pas acheter mon poisson là-bas. Erika, tu vas bien, ma princesse? Oh, mes filles. Ma princesse, Lily, moi. C'est ma princesse. J'ai dit au type que non. Reste même ici au restaurant. Tu joues même au billard avec les employés ou avec mon frère. Ou reste même discuter et tout et tout. Non. Je viens avec toi. Les Suzamanis sont têtus. Parce que vous, les Camerounaises, vous aimez entendre que vous êtes têtus. Si tu veux voir un blanc têtu, là. Suisse almanique, la tétutesse de ça. Non, il veut venir. Il veut, oui, au marché là. Mais moi j'aime parce que quand je vais au Cameroun, moi j'aime aller au marché. Ma mère, quand elle n'est pas au marché, elle pleure. Nicolas, je vois maintenant que tu m'en dis, ouais, tu es venu en l'aise. Parce que ça m'amuse aussi d'aller discuter avec les matins et tout et tout. Merci beaucoup, ma princesse. Et tout. Donc, le jour là, il dit qu'il me suit. On part marcher à Youpé. J'ai dit au gardien que si depuis qu'on est arrivé au Cameroun, il va entendre qu'il me suit partout. J'ai eu des restaurations. Qui reste même où il lit, où il regarde la télé, où il joue au billard, où même il reste à l'appartement. Il ne veut pas. Non, il est venu avec toi. Et tout. Il me suit au marché. À Youpé là-bas, et le jour là, il n'avait plus. À l'entrée du marché, il y a les gens qui font souvent la barrière qui demandent l'argent. Où est la barrière là? On s'arrête parce que les rois qui ont les dos là, il y a des choses qu'ils aiment pas. Voilà, ça dit, ils n'aiment pas les petites choses bizarres là. Autant il peut prendre les millions, il met sur quelque chose, mais autant une petite chose peut l'énerver. Donc, on nous arrête, on nous stoppe. Vous demandez l'argent pour entrer au marché. Déjà, ça l'énerve. Ah, c'est quoi? Voilà. Toujours rincer vos légumes. Hein? Donc, là, nos bouts. Mes haricots verts. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis un peu de sel, un peu de bicarbonate. Là, il s'énerve. Le chauffeur entre et tout, le chauffeur se gare. Maintenant, je lui dis encore que reste dans la voiture, comme ça, le chauffeur n'arrête pas la voiture, il laisse la clim qui tourne et tout. Non, il va venir avec toi. Maman, au marché de Youpé, là, il faut sauter. Les rigoles là, comme ça. Les filles qui partent souvent au marché là pour vous expliquer le marché là. J'ai dit que le marché là, il y a les mardos là-bas, maman, les mouches de ça. Quand on arrive, on a choisi le poisson, il faut aller là-bas derrière nettoyer. Le monsieur là est rentré de là, hein, fâché, traumatisé. Tu viens et moi. Non, je reste là. Ah, ah,
comme si c'est la bagarre seulement. Il est allé au marché, non? Attends là, hein? Il est allé amener au marché central. Au marché des chèvres, là-bas où on égorge les porcs et tout, tu sélectionnes ton porc là, ou ton poulet. Et puis tu ancres dans le marché pour déprimer les odeurs d'abord de là-bas. Depuis ce jour, mes gens. Ouais! Je dis que je ne saurais pas faire mes choses. Voilà ma bailleresse. Vous connaissez les bailleresses là au pays là? Comment elles aiment demander l'argent? Serrer l'argent. Donc, je lui dis que la bailleresse, quand on était au Cameroun, quand on était en Suisse, à un moment, la bailleresse serrait trop l'argent. Donc, on envoie l'argent de la bailleresse et tout. Quand on arrive au Cameroun, vous voyez la maman Douane. Donc, eux, ils habitent derrière le restaurant. Vous voyez, c'est mes cheveux. Hein? Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de cheveux dans le plat. Donc, quand on arrive au Cameroun, et puis tout, la bailleresse vient nous voir. Ben, elle veut nous recevoir, non? Voilà. Donc, quand on arrive, le premier jour qu'elle vient nous voir, là, c'est en journée. Donc, la maman, toute la journée, elle a son cabas. Elle a un cabas qu'elle porte, qu'elle prenne toute la journée avec. Et puis, le soir, quand elle prend sa douche, elle se change. Ou alors, quand elle sort, et tout, elle se maquille, bien, sort. Mais, elle peut porter son cabas là 2 ou 3 jours. Et dit que le type s'est remarqué que la maman, elle aimait le cabas là. Donc, quand elle nous invite chez elle, coucou Céline, tu vas bien? Quand elle nous invite chez elle, il a remarqué son cabassi depuis qu'on est arrivé. Elle nous invite chez elle. Elle finit de préparer tout le type là. Un sauvage, il a refusé ma vie. Il a refusé ma vie, j'avais honte jusqu'à maintenant. Il a juste bu le jus. Marie. Tu l'as ouvert, Marie, à nous. Je lui fais un comme ça. Nous aussi, on ne fait pas ça. On nous a invités et tout. Aïe. Aïe. Il dit pourquoi? Et quand on rentre, il dit mais pourquoi tu as fait ça? Elle porte le même habit depuis qu'on est arrivé. Elle a toujours le même habit. Je dis mais non. Je dis mais non, les mamans. Les mamans chez nous en Afrique, elles ont les habits que en n'importe pour travailler et tout et tout. Je dis non, jamais. Aïe, les aventures avec nos chéris là au pays. Voilà, donc là c'est l'ail. J'ai découpé. Maintenant je vais piler. Et je vais rajouter mon basilic à ça. Voilà mes princesses. Donc je vais pas rester avec vous au téléphone le temps qu'elles finissent de cuisiner. Hein. Voilà. Vous allez voir juste la fin du plat sur TikTok. Hein? Non, le point c'est que hein, la matière a le cabas, son cabas, voilà, c'est le cabas qu'elle prépare avec, qu'elle traîne toute la journée avec. Donc lui, il a remarqué le cabas là, qu'elle aimait bien ce cabas là. Et tout. Il a osé manger sa nourriture. Elle prend même la vie. Ah! Je dis, mais c'est comme ça, je me demande. Les garçons compliqués, vous avez aussi des garçons compliqués comme ça. Coucou Françoise, tu vas bien? Moi, je rencontre tous les gars compliqués. Je vous jure. Donc, je vais préparer la nourriture de celui-ci. Parce que s'il ne mange pas avant 13h, parce qu'il faut le composer à un moment, il va me dire que c'est quoi ce bordel? Ma grande soeur, l'influenceuse de Kaka. Fantasme comme le chasse du mariage. Voilà. Son père Satan peut faire que son rêve se réalise comme ça. Bon, moi, pour mon poisson aussi, j'utilise ça. Ça, on prend chez notre poissonnier. C'est l'aromate. C'est marqué court bouillon, mais c'est l'aromate. C'est fabriqué par. C'est vendu par notre poissonnier. Donc moi je prends ça et puis vous voyez, bon, donc je mets là et maintenant je vais piler tout ça. Et c'est avec ça que je vais mariner mes filets de poisson et avec un peu de poivre. Voilà.
Parce que nos gars là, ils sont compliqués. Hein. Normalement, j'ai un petit hachoir que je mets, je fais wap-wap. Mais aujourd'hui, j'ai envie de piler. Vous allez manger quoi chez vous aujourd'hui? Ça, ça me fait penser un peu en Afrique de l'Ouest. Vous savez qu'eux, ils pilent beaucoup les condiments. Ouais. Je pile, ça devient comme ça. Normalement, je mets tout ça dans un hachoir wap-wap. C'est aussi bien. Voilà. Vous voyez nos haricots verts, non? Vous voyez la texture du haricot vert. Donc quand vous enlevez comme ça, vous mettez dans de l'eau glacée. Mettez même les glaçons. Donc comme ça, ça se, ça dit, ça paralyse la couleur là. Vous voyez, c'est bien pris. Voilà. Donc faut pas que ce soit trop cuit non plus. Hein. Là, c'est bon. Tu fais rissoler les oignons, de l'ail, beaucoup d'ail. Hein. Les haricots verts, c'est super bon avec de l'ail. Voilà. Ok, mes gens. Écoutez, je vous embrasse. On va faire le congo ça après, pardon, je ne fais pas. Hein? Je vous montre la recette finale sur TikTok. Bisous mes soeurs chérie, à plus tard. Bisous tout le monde, bon appétit chez vous. Ciao, ciao.